Hey yo, all, this is Lava, et on se retrouve pour la deuxième partie du Speed and Slow Run. Et cette fois, on est basé sur le Speed Run. Le Slow Run a été fait, pour ceux qui voudront savoir, le temps mis au Slow Run, je vous conseille de regarder la vidéo, surtout la fin qui est assez sympathique. En fait, ça dépend, si vous appréciez la chanson française... Ça peut être vachement sympathique. Et on bourrine, et on bourrine, et on bourrine, et on bourrine, et on bourrine. Et on bourrine, et on bourrine, et on bourrine, et on bourrine, et on bourrine. Oh, tu boites. Ah, c'est sûr que c'est pas la même que tout à l'heure d'un coup, hein. Et voilà les gens, c'était le speedrun du Celtas. Simple, efficace et pas cher de chez Leader Price. En 28 secondes, enfin 27 secondes, et des poussières. J'ai quand même mis près de 60 fois plus de temps pour faire le slow run. C'est n'importe quoi, les gens. J'ai vraiment mis plus de 60 fois plus de temps. Voilà, bon bah en attendant, voici le set. Voilà. Qui a été remanié pour un spécial tranchante, du coup, du orage de l'âme, du œil critique, du recul plus 1, parce que c'est marrant, du pluie de fer et du bonus critique. Et c'est une naissette, un jeu techniquement bien craqué, qui est un critique 10, orage de l'âme 5, 3 fentes. Voilà, ça fait du coup qu'on a un set qui change d'ailleurs. D'ailleurs, on voit que j'ai quasiment la même attaque avec le Soul Run, sauf qu'il y a un 0 en plus. Pour ceux qui ne savent pas combien j'avais d'attaques pour le Slow Run, je vous conseille d'aller regarder. C'est quand même vachement comique. Un peu trop comique même. Mais bon. Du coup les gens, sur ce, je vous dis ciao ciao. On va regarder juste le temps précis de fin de quête. Un isolant cette fois. Comme ça, on sera bien isolé. C'est pourquoi pas. D'ailleurs, tu fais une drôle de tronche, c'est le cas. Donc, 27 secondes et 46 centièmes. Voilà. Sur ce, je vous dis ciao ciao.